maman. Bah, c'est un petit duo là. Là on va aller dans un hôtel qui s'appelle Lily of the Valley. On va essayer de se trouver des petits transats sympas à côté d'une piscine, vue sur la mer et tout, ça va être sympa. Une heure qu'on est dans la voiture, on a l'impression que ça en fait 3. Le compteur qui avance pas du tout. Le DJ qui en peut plus. C'est ça. Le conducteur. La voiture qui va nous lâcher avant l'arrivée. Ouais. Ouais. On peut le faire sur place ou pas? Ce ne sera pas le premier chemin, ce sera le deuxième sur la gauche. Merci. En live, le voiturier qui vient de prendre ma voiture. Ouais. Bon, on va se diriger vers la piscine pour essayer de réserver un petit transat. On s'est fait recaler parce que plutôt on a refusé de payer 650 euros par personne pour utiliser une piscine. Ils nous ont conseillé d'aller à la plage. À leur plage, de la même franchise Lily of the Valley. On va le tenter. Sans aucune raison valable, on arrive à s'incruster. Regardez cette vue, mais c'est une dinguerie. Bon, c'est complet encore. C'était c'était très court. Et même trop court, on se l'avoue. On est resté, je pense, pas plus qu'une 10 minutes 30. Avant de se faire recaler une deuxième fois, il a vu le sac ispack, il a dit c'est mort. Il a vu l'air aussi. On est arrivé en premier échange entre Ribéry et le loueur de Transat. Un échange musclé. Il t'a dit je vais voir ce que je peux faire. Il t'a pas dit t'inquiète, t'auras une place. Il a dit retenter après manger. C'est excellent. Enfin, moi j'ai pas envie de boire des bidons. En direct, on va remettre dans le contexte. On s'est fait recaler toutes les plages. Donc on s'est dit vas-y, petite plage à Saint-Tropez directement. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit à l'arrivée? Espace naturiste. Selon les dires de Ribéry, il y était quand il avait 12 ans. Il en garde un bon souvenir. C'est tout ce pourquoi il a apprécié venir ici. Il y avait quand même marqué espace naturiste. Donc quand tu dis c'est qu'une partie de la plage. La plage elle fait, je pense, 1 km de long de nudistes. On marche depuis 5 minutes. Il y a que des gens à poil autour de nous. Ça fait maintenant 30 minutes que nous marchons en plein soleil. On est en sueur, mais totale. Là, tout le monde est en malaise. Il fait vraiment, je pense, 40 degrés là, sans rire. J'ai l'impression d'être dans un four, mais constant. Là, en direct, il fait, mais vraiment, mais 50 degrés au soleil. On va manger à l'orangerie. En live, on est dans un resto où on nous offre du caviar en entrée. Les softs à 7 euros. Tous. 7 euros. 7 euros, jamais je prends. Attendez. Les gens sont chauds. Bah, c'est un petit duo là. Et Ribéry lâche 1000 euros au prochain vlog. Allez.